Yoann, de temps en temps, il faudrait savoir avoir de la chance pour gagner les courses. Oui, oui, voilà. On a eu un peu de chance, c'est vrai. Mais la jument a été bonne quand même. Elle l'a pas volée, hein. Elle a été bonne. Elle a rendu 25 mètres, tout. Non, elle court bien. Elle a fait sa valeur. C'est sans doute les autres qui ont fait la leur. À quel moment t'as entreaperçu la victoire? Parce que ça a été long à se profiler. Oui, non, j'y ai cru jusqu'au bout. Mais bon, à mi-ligne droite, j'ai dit je vais être deuxième. Je l'ai pas laissé s'en relâcher, j'y ai cru. Je voyais que je ne refaisais plus rien, mais ligne droite, on a eu de la chance. Du moment de Franck était sans doute un peu fatigué et puis assez désuni aux abords du poteau. C'est une jument, à un moment de temps, elle a eu un passage à vide. Est-ce que tu as douté d'elle? Oui, c'est vrai, j'ai douté. Il y a 2-3 mois, là, j'ai dit, bon, c'est peut-être. C'était plus la jument que c'était. Elle n'avait plus la foi, elle n'était pas lente, elle a lâché le morceau de bonheur. Puis bah non, elle est revenue, Loïc a fait du super boulot. C'est à lui que tout mérite revient. Francky, Anastasia Fella, petite blague aux abords du poteau. Bah, elle est tombée légère, déjà à 100 mètres du poteau, je sentais que j'allais pas aller au bout. Je sentais que ça allait être très long. Et puis voilà, j'ai essayé de la solliciter pour la retendre, pour essayer de faire. Enfin, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais bon, j'ai rien pu faire. Quoi. Elle était trop. C'est pas la vraie jument montée déjà à la base. Hein. Peut-être que la piste l'a pas avantagé, c'est la piste dure, mon ami, c'est sûr que ça n'a pas dû l'avantager. Enfin bon, elle est dure pour tout le monde, mais on a vu qu'il y avait quand même pas mal de chevaux au galop aujourd'hui. Quoi.